à ce challenge 7 jours d'amour pour soi. Aujourd'hui, la séance aura pour but de vraiment vous énergiser, de vous donner un petit boost d'énergie et aussi d'augmenter votre système immunitaire. Alors, on commence tout de suite avec nos respirations. Mains sur les genoux, en position assise, le dos bien droit, les épaules sont relâchées. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire. On expire. Excellent. Nous allons tout de suite se diriger dans la position du chien tête en bas. Donc, les mains sont au sol, les pieds sont derrière, les talons sont bien appuyés au sol. Et je vous invite à venir bouger vos jambes en alternance pour déjà activer votre corps. Excellent. Je vous invite maintenant à prendre votre jambe gauche et venir la placer entre vos deux mains. Donc, pour une fente. De cette position, à la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. Excellent. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Maintenant, descends les bras de chaque côté du corps et viens entrelacer tes mains derrière ton dos. Roule les épaules derrière, lève la tête légèrement. Inspire. Et à l'expiration, on vient déposer notre cage thoracique sur notre genou tout en levant les bras et roulant les épaules pour venir former une belle ligne au-dessus de notre tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Remonte doucement ta cage thoracique. Relâche les bras. Et viens chercher ta position du guerrier 2. Donc, le pied derrière, le pied droit est d'un angle de 45 degrés. Et la jambe devant, ton genou est à 90 degrés. Les bras forment une belle ligne droite. Inspire. Expire. Viens déposer ton coude gauche sur ta jambe gauche et allonge le bras droit pour venir former une belle ligne avec tout ton corps. Donc, le bras droit, le torse ainsi que la jambe droite sont bien alignés. Inspire. Expire. Si tu t'en sens capable, viens déposer la main gauche au sol. Tout en gardant la belle ligne droite. Excellent. On remonte en guerrier 2. Inspire. Expire. Doucement, allonge ta jambe gauche. Nous allons aller chercher la position du triangle. Donc, doucement, on pousse la hanche droite vers la droite et on vient déposer la main gauche au sol. On s'assure que notre main droite et notre main gauche sont bien alignées. Ici, on a l'option de regarder vers le ciel ou par terre. Excellent. De cette position, je t'invite à venir chercher la pyramide. Donc, on vient déposer les mains de chaque côté de notre pied et le pied derrière se tourne tout en gardant les jambes bien droites. Sachez ici qu'il est bien important d'écouter notre corps. Il est possible que votre corps ne soit pas tout autant flexible que le mien. Alors, vous pouvez toujours vous relever, plier légèrement les genoux. Le but est simplement d'essayer.
position, nous allons venir chercher à nouveau le chien tête en bas. Pour ma part, je vais changer de côté simplement pour faciliter la vidéo. Pour vous, vous restez du même côté. Les pieds sont bien au sol. Je vous invite encore une fois à bouger vos jambes légèrement. À bien les reposer puisque c'est un yoga qui vient travailler nos jambes aujourd'hui. Donc, nous allons répéter la même séquence de l'autre côté. Alors, avec votre pied droit, venez le déposer entre vos deux mains. Vous êtes sur la pointe des pieds derrière et le talon de devant est bien ancré dans le sol. Nous sommes dans la position de la fente. Inspirez, levez les bras vers le ciel pour venir chercher le guerrier 1. Excellent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, descends les bras de chaque côté et entrelacez les doigts et roule les épaules. Les hanches sont toujours bien basses. Par contre, si c'est plus difficile, vous pouvez toujours remonter. Maintenant, venez déposer la cage thoracique sur le genou droit et lève les mains vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relève le torse. Relâche les bras. Et viens chercher la position du guerrier 2. De l'autre côté cette fois-ci. Donc la jambe droite est pliée à 90 degrés. Et la jambe derrière, le pied à un angle de 45 degrés. Le tronc est bien droit. Les bras sont de chaque côté. Inspire. Expire. Maintenant, viens déposer ton coude droit sur le genou droit et viens allonger le bras gauche pour former une belle ligne avec tout ton corps. Inspire. Expire. Inspire. Si tu t'en sens capable, viens maintenant essayer de venir porter la paume de ta main au sol, tout en gardant la ligne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Excellent. Remonte en guerrier 2 et viens allonger la jambe devant. On va venir déplacer légèrement le bassin vers la gauche pour venir chercher notre triangle. Donc la main droite descend vers le sol, les deux jambes sont bien allongées, une belle extension et nous avons également une extension dans les bras. Inspire, expire. Possibilité ici de regarder le pied ou encore la main gauche. Inspire. Expire. De cette position, viens déposer les deux mains bien à plat au sol de chaque côté de ta jambe droite et tourne légèrement le pied de derrière pour venir chercher la position de la pyramide. Inspire. Expire. De cette position, viens retrouver la position du chien tête en bas. Les deux pieds derrière, les épaules se relâchent vers le sol et encore une fois, vous pouvez légèrement bouger vos jambes. Excellent. De cette position-ci, je vous invite à venir chercher la position de la planche. On peut légèrement avancer les épaules, les abdominaux sont engagés. Le corps est bien droit. Ensuite, nous allons descendre les coudes près du torse en chaturanga. Excellent. Le ventre est bien à plat au sol. Les pieds sont pointés et on vient lever pour venir trouver la position du
cobra ou encore chien tête en haut. Vous pouvez lever les yeux vers le ciel ou bien garder la tête neutre. Inspire, plante les deux pieds dans le sol et reviens chercher la position du chien tête en bas. Excellent. Tranquillement, avance les deux pieds près de tes mains. Garde une petite flexion dans les genoux. Monte les bras vers le ciel, ainsi que tout ton corps. Mais cherche cette énergie qui vient d'en haut et rapporte-la à ton cœur. Encore une fois, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, roule les bras vers l'arrière et descends ton corps vers le sol. Inspire, viens chercher tes genoux avec tes mains et former une belle table avec ton dos. Inspire, expire, relâche tranquillement. Dans cette position-ci, vous pouvez garder une flexion dans les genoux et venir attraper vos coudes avec vos mains opposées. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, à la prochaine inspiration, pliez les genoux légèrement. Remonte une vertèbre à la fois vers en haut. Les bras sont vers le ciel et ramène cette énergie à ton cœur. Excellent. Maintenant, de cette position, je t'invite à venir t'asseoir. Donc, bien assis au sol, les jambes sont allongées, le dos est bien droit. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, viens toucher tes orteils si c'est possible pour toi. Inspire, relève légèrement le dos. Expire, descend en profondeur. Inspire, relève le dos. Expire, descend encore de plus en plus. Une dernière fois. Inspire. Expire. Excellent. De cette position, est allongé sur le dos. Les genoux sont pliés. Les talons sont près du fessier. Les omoplates touchent bien le sol. Et les paumes de vos mains sont vers le sol. Nous allons aller chercher la position du pont. Donc, de cette position, venez soulever le bassin en serrant le fessier. Engagez les cuisses et les abdominaux. Et restez ici pour vos respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. On relâche. Maintenant, je t'invite à venir chercher la position du bébé. Donc, avec vos deux doigts de chaque main. Donc, l'index et le majeur, viens enrouler tes orteils, tes gros orteils. Garde une petite flexion dans les genoux. Les épaules sont relâchées et touchent bien le sol ainsi que ta tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Excellent. Tu peux même bouger légèrement de chaque côté. Et tranquillement, relâche tes orteils et ramène les pieds vers le sol. Je t'invite à allonger tes jambes et simplement respirer. Inspire. Expire.
et avec moi en position assise. Les mains sur les genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel, accueille toute cette belle et nouvelle énergie et ramène-la au cœur.